Il est méchant, il est méchant, il est méchant. J'ai un petit short rouge. J'ai très peur. Il y a Immortel. Ok. Coucharco, il y a un totem quelque part en bas là. Bah je... oui. Il est en train de faire une placard à 2 mètres de moi. Il a compris que j'étais dans le coin. Mais il est où le totem? Et moi je suis... Bah je sais pas. Oh, il est là. Ah tu l'as trouvé? C'est un blanc. C'est pareil. Non, c'est pareil. Ah d'accord. Il m'a trouvé moi, c'est dans quel placard? Que je t'aide. Salut. Mais arrête Judas, loulou. Il se passe des choses dehors, je vais voir. Ouais, je vais aller chercher le cube. Non, c'est fini entre toi et moi. Bon, allez, allez. Je vais chercher la configuration des lamentations. Yes. Non. Le divorce. Dame de famille. Faire la boîte. Oh, un totem allumé. Moi la boîte. Bah fais la boîte vite parce qu'on va bientôt être dans le cling cling boum boum là. Non, ne fais pas ça. Pourquoi t'as dit cling cling boum boum? Alors, la configuration des lamentations. D'accord. Il y avait un totem en haut. Attends, il y avait un totem en haut. Il y avait un totem en haut. Et concrètement, en fait, tu vois, on a un timer. Vous avez fini combien de moteurs? 18, 18. Ah, et c'est bon. Si tu ne réduis pas le casse-tête de la configuration des lamentations, il y a pas. Ah ouais, il y avait un totem en haut. En boucle et qui ah, j'étais occupé, tu vois. J'avais un Bernard qui voulait me casser les pieds. J'ai posé la clé autour de la chaque. D'accord. J'ai pas Boromir. Par contre, il a. Il a disparu dans la maison là. Mais j'ai connaissance en botanique. Très bien. Alors. C'est pour ça que tu cours en fait, c'est ça? Oh. 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 Et sur moi, et sur moi, et sur moi. C'est une bonne nouvelle. Oh, un générateur. Loupé. Ok, je viens. Salut. Ça va? Ça va. Et toi? Bon, je fais le générateur, vous faites quoi, vous? Je le loupe à la Charco qui répare le plus beau générateur de la map. Tout est dit. Le générateur rose. Allez. C'est rigolo que le tueur puisse choisir le type de générateur de la map. C'est-à-dire? Bah des skins de générateurs différents. Ah, juste du cosmétique pensé, mais pour le tueur. Ah oui, c'est marrant ça. On peut le finir en vrai. Hein. 50% ouais. Gel. Ouais. On va bientôt avoir les chaînes. Faut tenir. Machin truc, hein. Faut tenir. Ouais. Dommage. Il va venir, il va venir. Au secours! Il n'y a pas fini le gène? Non, on a quasiment fini le gène. Bon, bah moi je termine le mien. Aïe! Je l'ai pas vu. Il casse le gène. Est-ce qu'il a tout réjoui? Je pense. On va voir les gènes là. On va voir les gènes là. Ah ah! Ouais. Il m'a planté avec ses grosses chaînes. Oh non, il a bloqué le gène. Non, il est pas redescendu. Enfin, j'ai pas vu redescendre. Quelqu'un peut aller chercher la configuration ou pas? Eh, j'ai prise. Tu l'as? Ça marche. Il est toujours là, hein, il campe. Il redescend dans le sous-sol. Non, fais pas ça. Non, 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 non. Il était fait sur moi. Ok. C'est un tueur qui TP? Ouais, quand tu. Ouais, il peut TP quand tu essaies de résoudre sa boîte. La ouais. Configuration des lamentations. Oui. C'est très fun à dire. Merci. Oui, on dirait la soirée du mercredi. Ah, je te propose qu'on finisse ce matin. Il a pas le tour à jouer. Il est derrière mes fesses, maison dans l'école. Et j'aime pas trop ça. Très bien. Voilà. Très bien. Mais j'ai fait un dédard de caca! Tu préfères pas faire un dédard de tout court? Non, j'ai fait un dédard de caca! Oh. Ah, c'est pas hyper engageant là. Non, là, pas on, pour l'instant, on est plus dans le plan. Trap. Je t'en prie, après toi. Merci. Oh non, je vais à la cave. Ok, le cube est réapparu. Qu'est-ce qu'il faut faire avec le cube? Alors, pour résoudre le casse-tête du cube,
pour éviter qu'on ait le passage avec toutes les chaînes, mais il peut se TP au cube quand t'essayes de résoudre le casse-tête. D'accord. Donc, le mieux c'est de TP là quand il porte. Absolument. Ouais. Tu vois à gauche, Charco, il y a des chaînes qui, comme un compteur, comme avec Freddy, tu vois. Ouais. Et bah, quand c'est arrivé à fond, il y a son passif qui se met en route et t'as des chaînes qui pop de partout pour te ralentir. D'accord. Et pour arrêter ça, il faut que t'aies fait la ce que Mitlera dit si bien depuis tout à l'heure, la configuration de lamentation. Voilà. En gros, tu trouves la boîte et il faut que t'arrives à résoudre son l'énigme. Et la boîte, elle est marquée sur la map, tu la vois. Ok. Je suis en bout de rue sur le générateur. De toute façon, Charco, tu me vois là, non? Donc là, dans à peu près 30... Je suis poursuivi pour l'instant, je vois pas grand chose. Ok, bah c'est Mitlera qui me voit. Ouais. Ok. Ah, voilà. Je suis à 60% donc là, dans 15 secondes, il y a sa boîte qui va se remettre en route. Et qui a le... Il y a personne qui a le cube. Je vais... quelqu'un est sur la boîte? Non. Non, personne. Bon bah j'y vais, mais ça va être trop tard, mort. Ah, ça va être trop lourd. Bah ouais. Faudrait qu'on la fasse en avant, tu vois. En avant. Bah, il est sur je moi. Je descends dans l'école. Tu peux pas faire la boîte, tu peux pas faire la boîte. J'y vais, mec, quel rôle. Ah, tu vas, Maillard ? Non, c'est moi. Ok. Tu vois, c'est ça que fait la boîte, hein. Ok. Oh oh. Ah ! Tant qu'on n'a pas résolu le... Ok, il a dû se TP sur Maillard, je pense. Non. Non ? Ok, bah c'est bon alors. Là, il va pas tarder à se TP. Il m'a lâché. Oh ! Mais lâche-moi ! Je veux pas être ton mercredi ! C'est bon, en fait, là, on est... C'est bon. Non ! Oh là là ! J'aime bien, il y a plein de subtilités sur ce tueur, là. Ouais, j'aime bien. Ouais, super subtil, ouais. Bah, le coup de la boîte, c'est bien, c'est une nouveauté, hein. Bon, qui c'est qui va entendre du lore inutile autour de Hellraiser? Moi. Alors, cool. Tu vois, en fait, là, il y a un cube. Et c'est l'objet principal que tu retrouves dans les films Hellraiser. D'accord. Mais il faut savoir que des casse-têtes comme ça, il y en a plusieurs. Là, par exemple, celui-là, c'est la configuration des lamentations. Mais t'as aussi, par exemple, la configuration Elysium. Je crois que je l'ai saoulé. Non, je suis pas saoulé. Le cube peut changer de forme. Il y en a aussi des ronds, il y en a des losanges, il y a plein d'autres cubes qui permettent et de voir du des coup, si c'est un cube rond, c'est... Du coup, c'est plus des cubes. Alors, en effet, c'est plus des cubes. Mais les gens gardent le nom de cubes. Ah, mais lâche-moi ! On se connaît à peine ! Je suis en train de faire le cube, là. Et généralement, les gens, quand ils pensent à Hellraiser, c'est à ce cube-là qu'ils pensent. Mais il y en a d'autres, et avec d'autres motifs. Ok. Je connais pas... J'ai fait ce que j'ai pu, sachez-le. Et on sait jamais. Il y a le moteur à côté de moi, il était bien avancé. Ouais, je vois, mais... Salut Marie-Nectissa, bonsoir à toi. Moi, je suis revenu dans ma configuration à moi. Ok. C'est-à-dire les boîtes à outils nuls. Moi, ça va, hein, je... Tout va bien. J'ai fait un peu d'huile, là. Très bien. Je vois, tous les deux, il y a une fabrique d'huile à côté de moi. Il vous regarde ou... Ah bah on dirait. Et moi il m'a pas vu. Aïe. Merci beaucoup, c'est très aimable. Je veux bien. Alors, pour finir sur mon explication, des fois c'est pas forcément des casse-têtes au sens propre dans une des BD, une des nombreuses BD Hellraiser. Un des casse-têtes pour pouvoir ouvrir des portes, c'est une guitare. Ça peut prendre plein de formes en fait. D'accord, c'est marrant ça. C'est super intéressant. Moi je m'étais arrêté au bout d'un moment sur... Sur Hellraiser, je trouvais ça trop... Non mais les films sont pas terribles. Y'a dégueulasse qui me poursuit, au secours. Tu veux savoir pourquoi les films sont pas terribles? Non. Fin de la discussion. Très bien. Bah tu sauras pas. Non mais c'était un nom qui dit oui, tu vois. Non mais c'est bon, trop tard. Toi, trop tard. J'ai refait la boîte. Je garde ma connaissance pour moi. Très bien. M'a lâché ou pas? J'ai internet moi aussi, hein. J'arrive pas à savoir s'il m'a lâché. Peut-être. Ouais. On peut faire le moteur ici. Il est coincé?
Nya 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 nya. Retire-toi, retire-toi, retire-toi de l'entité. Retire-toi de l'entité, retire-toi de l'entité. Il m'a lâché. Ça a marché. Le plan a marché. On va finir le moteur. Et là... Voilà. Nice. Si tu as la trappe, j'ai la clé. Hein. J'ai pas la trappe, j'ai le tueur aux fesses. Il va pas me lâcher. Je vais chercher le cube. Ok. Ça y est, il m'a lâché. Ok, moi je me montre pas. Il m'a pas lâché du tout. Il m'a pas lâché du tout. Très bien. Secours. Bon, le chat veut savoir, Mitler. Moi je veux pas savoir, mais le chat veut savoir. Donc. Ah bah, si le chat veut savoir. Il faut savoir que les droits de Hellraiser, ils sont passés de main en main. Et le. La Clive Barker, le créateur du monde Hellraiser, a récupéré les droits l'année dernière. Mais avant, les droits étaient acquis par une boîte qui s'appelle Miramax. Miramax qui était connue pour faire beaucoup de films très pourris, juste pour dire de garder des nanars, une licence sous leur contrôle. Voilà. Ah oui, c'est vrai que tu as des clauses de conception qui consistent à être obligé pour garder les droits de... Wow! Exactement. C'est bon, je l'ai perdu. Ouais, bah du coup, j'ai mon cul et moi, je suis P3. Ouais, bah la porte elle est ouverte! Laquelle? Derrière l'école! J'ai besoin! Ouais, d'un body block! Mais est-ce que t'es derrière l'école? Je sais pas où t'es, moi. Bah j'arrive derrière l'école. Mais va falloir vraiment me. J'arrive. Je suis dans l'école, je traverse l'école là. Ouais, bah vas-y, sors par l'arrière. Ouais. Vas-y, à ta droite! Ok, mais si tu me bloquais pas! Il fait le tour! Bah si je me bloquais pas, t'as mis 50 ans dans ta tête à faire qu'est-ce que c'était la droite. Mais merci hein. Mais toi tu me bloques. Mais t'es... Je suis derrière toi pour prendre les coups. Et lui il balance la palette dans la gueule. Au secours. Non mais il est sérieux ou quoi? Va bien, je suis là. Non mais nanar, tu mérites là. De mourir toi. Non, tu l'auras pas, tu l'auras pas, tu l'auras pas. Tu l'auras pas. Arrête. Soigne-moi! Soigne-moi, mais. Il est devant la porte, Ah, il boude! Il boude! Je le coince! Yes! Faut sauver Ravé! Non, mais Ravé, il est sauvé lui, hein! Faut me sauver moi! Non, mais. GG le team! Franchement, je vous aime. GG. Bon. J'ai toujours cru en vous.